Et bonjour à tous, Sacrex. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer d'atteindre le top 50 du MGE. Allez, c'est parti! Les copains, le moment est venu. L'événement MGE est en place, donc le seigneur le plus fort. Le premier jour commence extrêmement fort. Je vous laisse voir le nombre de troupes, le nombre de points qui ont été validés. Ça fait vraiment flipper. Ça fait vraiment flipper. Concrètement, voilà, aujourd'hui, il y a des joueurs sur notre serveur. Ils se baladent avec plus de 2 millions d'unités T5. Donc, ça va faire très mal. Aujourd'hui, je suis dans le top 800, sachant que je n'ai utilisé aucun boost. Donc, là, on va cramer tout ce qu'on a. On va cramer toutes les ressources. On va cramer tous les boosts qu'on peut avoir. Donc, ça fait quand même pas mal de boosts. Je ne sais pas si je vais être à court de ressources ou pas. Je ne sais pas où est-ce qu'on va se situer à la fin de ces, à la fin de ces boosts. Mais voilà, on va faire le maximum. C'est parti, on commence gentiment. Donc, l'objectif va être de monter uniquement des T4. Des T4 et uniquement des magiciens, donc des Vestales. L'objectif étant de pouvoir faire deux marches complètement blindées de Vestales. Allez, c'est parti. Voilà, moi qui me disais, ouais, ça crée que ce purée, t'as tellement de boost, ça va te servir à rien, etc. Eh ben, comme quoi, les gars, on en a toujours besoin. Je pense qu'on va pouvoir, voilà, taper dans les 200 000 de mana. Je vous avoue, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas un petit bouton pour faire ça automatiquement. Dans le sens où, voilà, on est à chaque fois obligé d'appuyer sur. Voilà, sur les différents boosts, alors que si on le faisait avec les diamants, ça se fait, pardon, automatiquement. Je pense que c'est pour nous inciter à passer par les diamants. Hop, allez, 30, 15 et 10. Voilà. Allez, on va finir les T1, parce que je vous avoue, les T1, ça sert pas à grand-chose. Et au moins, voilà, c'est terminé. Faire très attention à pas utiliser les boosts classiques, mais c'est pareil, je suis tellement en manque de tout. Je vous avoue, je suis un panda pauvre en termes de ressources et de boosts. Donc, allez, bah écoutez, c'est parti, au moins on va être débarrassé de tout ça. J'espère juste par contre une chose, les gars, c'est que ça compte. Ouais, c'est bon, ça compte, j'ai eu peur. Parce que là, je me disais, oula, si ça ne compte pas. J'aurais l'air d'un gros malin. Allez, hop, 1h30. Dites-moi les copains si vous avez une astuce pour entraîner énormément de troupes sans passer, voilà, des heures et des heures à, hop là, entraîner, voilà, à cliquer partout plutôt. Je vous avoue, j'ai assez peur d'être à court de fer bientôt. C'est un petit peu de cocasse et surtout dommage parce qu'on vient de commencer la vidéo. Allez, hop. Voilà. Allez, on va pas se prendre la tête. C'est parti. Et donc, dernière fournée de T1 qu'on passe en T4. On n'a plus de T1, les gars. C'est beau. Voilà, je me sens différent. Je me sens un panda différent. Je sens que je suis capable d'accomplir des choses maintenant que je n'ai plus de T1. Voilà. Est-ce que je peux flex? Bon, la partie fun est terminée. Maintenant, on va taper dans le dur, la vache, le temps que ça demande quand même. Je veux même pas savoir combien de temps ça va me prendre à monter des T5. Obtenir plus, allez, c'est pareil, hein. Là, on va taper dans le gros bois. Je suis juste tellement pas pressé de voir à quelle sauce on va être mangé. Ouais, les T5, ça me fait peur. Déjà, rien qu'en termes de ressources pour rechercher les T5. C'est une chose. Et ouais. Je pense que c'est un territoire qui n'est pas accessible au commun des mortels. Dites-moi hein, si je me trompe. Ok, en termes de ressources, on va être pas mal. Maintenant, on va cramer tous les boosts. Je voudrais bien arriver à 200 000. 200 000 T5. Je pense que ouais. Je me mets un peu un doigt dans l'œil. Je vous avoue, je me rends pas compte en fait de ce que ça représente.
Je me dis, ouais, 200 000, hop là, non, on va pas faire ça. 200 000, c'est bien, c'est un chiffre rond. Bon, on va voir un peu si, si c'est réalisable. Hop là. Ok. Donc là, globalement, hein, on n'arrête pas tant qu'on n'a pas tout cramé. C'est, voilà, soit on va se faire arrêter parce qu'on n'a plus de ressources, soit on va se faire arrêter parce que, tout simplement, il n'y a plus de boost, en fait. Mais les points de notre MGO, on va le faire durant cette première phase. J'ai eu un petit message cette nuit sur Discord. Ouais, ça craque, est-ce que tu vises le top? Je vise rien du tout. C'est-à-dire que même si je décide de liquider tous mes actifs pour mettre tout ce que j'ai à mon nom dans ce jeu, jamais de la vie j'atteins le top 1. C'est, là, on parle de dizaines de milliers d'euros à minima. Et rien que de troupes, c'est-à-dire que derrière, il faut que je monte en T5. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. On voit que, pareil, on monte gentiment en termes de power. En termes de power, je visais 10 millions. Mais je vois que en fait, les troupes, ça augmente pas tant que ça. Voilà, ça augmente pas tant que ça. Donc, je prends quoi? Allez, 5-6 000 points par... je dirais par tranche d'entraînement. Donc c'est quoi l'astuce pour avoir un gros power? Est-ce que c'est une question de recherche? Est-ce que c'est une question de... Bon, en fait, les troupes, ça marche, ça craque, mais t'en faut énormément, t'en faut des millions. Julien, merci à toi de t'être abonné à la chaîne alors que je suis en train de recorder cette vidéo. Petit coucou à toi si tu vois cette vidéo. Bon, on est déjà à 20 000 troupes. On va faire ce dernier... Voilà, on va faire ce dernier paquet et voir combien de ressources... Alors, hop, on va récupérer ça. Combien de T4 on a? 67 000. Je crois que j'étais à peu près à 40 000 quand on a commencé. Donc, doucement mais sûrement. Voilà, doucement, doucement et sûrement. Mais c'est pareil, en fait. Je sens que c'est une autre dimension. Les Kraken dans ce jeu, c'est vraiment une autre dimension. Ça parle pas en dizaines de milliers, ça part en dizaines de millions de troupes. Ou en centaines de milliers de troupes. Je suis très impatient, franchement, de me fight avec eux sur cette saison. Surtout que j'ai parlé avec plusieurs d'entre eux en MP. Certains étaient venus sur mes lives. Voilà, c'est des gars qui sont adorables. Allez, on continue. On a bientôt fini de cramer nos entraînements de 3 heures. Mais on continue, on est fort, on reste là. Allez, un petit 8 millions de power, ça me pourrait me faire plaisir. Alors, en termes de classement, je voudrais bien viser le top... allez, idéalement le top 30, mais je me contenterai du top 50. Pour la journée, je tiens à préciser, d'accord, sachant qu'on a encore 4 jours de MGE. Voilà, je serai très satisfait juste avec... oula, 3 minutes, 1, 2, 3, voilà. Je vais pas me... Ouais, je vais pas faire la fine bouche, je vais pas faire le difficile. Top 30 le premier jour, même top 50. Ça fera très bien l'affaire. Allez. On fait encore 2-3 T4. Et on va voir à peu près où on est situé au niveau du classement, alors qu'on est à peu près à mi-parcours des boosts qu'on a pu utiliser. Ok. Faisons un peu un état des lieux, les copains. 74 000 T4, on va sûrement arriver sur les 100 000, 200 000 à voir. Et en termes de classement, je suis 162e. Oh, mais ils ont... Mais c'est monstrueux, je m'en remets... Enfin... Oh, ok, c'est-à-dire qu'ils ont... Ouais, ça veut dire qu'ils ont concrètement entraîné au moins... Bon, le top 50, c'est au moins 100 000 T4. Le top 20, pardon. Le top 20, c'est au moins 100 000 T4. Ah là là, c'est dans ce moment-là où je me dis, j'aurais peut-être dû garder mes gemmes pour un petit moment comme celui-là. Voilà. Allez, c'est parti. Ce qui est cool, par contre, c'est qu'on n'a pas besoin de gold pour entraîner des troupes. Hop. Non, 30 minutes. Voilà. Ouais. Mais vous inquiétez pas, moi je suis vraiment confiant, je suis hype par cette première saison sur COD.
ça change des gachas qui sont vraiment vides de sens où le seul truc que t'as à faire c'est de cash pour avoir un nouveau personnage. Là, il y a vraiment le côté stratégie, il y a le côté alliance qui rentre en compte. Ouais, vous pouvez pas savoir les gars à quel point je suis hype. Même si je me fais rouler dessus, hein. Ah, moi je vous le dis, hein. Je me fais rouler dessus, bon, je serais triste. Surtout si je me fais one-shot par un Kraken. Mais ouais, globalement, je serais quand même extrêmement heureux de même commenter juste les fights. Allez, c'est parti. Bon, ça se passe plutôt pas mal. Je vous avoue, j'ai pas fait attention à combien de power on était juste avant de commencer la vidéo. Ah, apparemment, ça part en fight. Ça part en fight. Il y a bagarre. Il y a bagarre ? Ok, faut construire, après faut casser. Allez, les gars, on peut pas. Le panda, il est en train de push le MGE. Je regarde juste si... ouais, ok. Je regardais, en fait, si on entendait ma voix sur l'enregistreur, parce que je me suis dit... Oula, attends. Imagine, pendant une seconde, mon micro était mute. Ça serait cocasse. Bon. Allez, on a terminé notre dernière fournée de boost de 1 heure. Ça sent le début de la fin, ou le commencement de la fin. Ok, allez. Ouh, là, on attaque. Bon, j'ai des boosts de... J'ai 700 000 de boosts, c'est bien ça, non? Sur le papier. Mais ouais, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas quoi faire, je sais pas si, entre guillemets, je dois cash des diamants pour monter mes troupes. Voilà, vous qui avez l'expérience, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Est-ce que le plan, c'est de dire, voilà, Sacrex, maintenant que t'es VIP 12, bon, en vrai, vas-y, craque des diamants, et tu vas choper, je sais pas moi, 200 000, 100 000 T4? Ou est-ce que le plan, c'est de se dire, voilà, bon, maintenant que t'as, je sais pas, je pense que j'aurai au moins 100 000 troupes, je vous avoue, si j'ai moins, je le vivrai un peu mal quand même, hein. Alors, ouais, je vous avoue, je me rendais pas compte, en fait, de l'impact de la puissance sur les troupes. Moi, je me suis dit, je vais avoir 100 000, 200 000 T4, mon power, il va monter au plafond, mais pas du tout. Bon, c'est pas grave. Allez, on crame absolument tout ce qu'on a, voilà. Allez, on continue, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que... est-ce que je suis un bon... Oula, oh là 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 là. Allez, et je crois qu'on va pas pouvoir faire de... Voilà. Allez, c'est la dernière tournée qu'on ne pourra malheureusement pas terminer. Il restera 16 heures de boost. Aïe. Ok, faisons un petit état des lieux. J'ai commencé... Alors déjà, bon, 77e. Mais là, le classement, c'est pareil. Hein. Je l'ai abandonné, les frérots. Je vous avoue, ouais, c'est... C'est un petit peu trop violent pour votre panda qui est une âme sensible. Ok, on n'est même pas monté aux 100 000. Ah là 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 là. Après bon, 90 000 troupes, c'est la moitié de mon objectif. Mais bon, faut bien commencer quelque part. En fait, d'un côté, pour moi, ça me paraît énorme. De l'autre côté, ça me paraît ridicule. Après, je suis dans le serveur de tous les extrêmes. Mais voilà. Dites-moi, rassurez-moi peut-être, est-ce que c'est bien 90 000 T4 OMGE, qu'est-ce que ça donne? Ouh, ouais, non, c'est pas la folie. Hein. 116e, et on voit que, entre-temps, les mecs continuent à... Je crois qu'on était à 8 millions et des bricoles. Hein. Là, on a passé la barre des 9 millions. Ouais. J'imagine même pas. C'est-à-dire que la personne, en fait, qui est premier, là, il vient de faire, allez, 180 fois ce que je viens de réaliser. Ou il a concrètement fait du T4, du T5. Il a recruté du T5. Mais ouais, c'est monstrueux, les copains. C'est monstrueux. Bon, objectif, les frérots, à moitié réussi. Un petit peu déçu, hein, je vous avoue. Hein. Je me voyais à 10 millions de power. Je me voyais le panda le plus BG du serveur. Bon, dites-moi en commentaire comment est-ce que je me situe. Est-ce que, voilà, on est sur une progression qui est bien en termes de troupes. Voilà,
Ouais. Un chouïa déçu. Bon, c'est pas grave, on continue, on va continuer fort, on attend les nouveaux packs, les nouveaux événements. Il y a la roue qui est là, on va voir si on cache ou pas dessus, sachant que le personnage, je ne compte pas le jouer. Donc voilà, on va réfléchir sur tout ça. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Discord.